Bon, eh bien, ça y est, on quitte Bonifacio. Bonifacio, merci pour ton accueil, c'était un très bon moment. Bravo à Marie-Catherine et à la réserve naturelle, le héros qu'on a rencontré ici. Merci à l'école de Bonif, les petits bonifaciens ont été fantastiques. Le personnel de l'école accueillant, bref, on a passé un moment extraordinaire. On a appris beaucoup de choses. Et bien maintenant, nos aventures nous poussent un peu plus loin, mais on va d'abord revenir un peu sur nos pas, parce qu'on a eu sur le bateau un problème technique, et ça nous oblige à revenir un peu sur nos pas et remonter sur Toulon. Alors comme il y a un coup de vent actuellement méditerranéen, on va le faire en deux étapes. D'abord, on remonte à Ajaccio, et ensuite on remontera sur Toulon. Et voilà, on laisse Bonifacio derrière nous. Et c'est le large qui nous appelle. Cette petite navigation vers Ajaccio ressemble plus à une promenade de quelques heures durant lesquelles nous occupons travail et entretien du bateau pour les grands et bataille navale pour les petites. Nous décidons d'un mouillage au devant d'Ajaccio pour la nuit et le temps de laisser passer le coup de vent entre le continent et la Corse. Et voilà, une page se tourne, c'est une étape qu'on franchit. On quitte ce soir Ajaccio, retour sur le continent, on arrivera demain après-midi, donc là il est 18h50. On quitte Ajaccio et on en a pour une vingtaine d'heures, comptons sur 20-24 heures de navigation, pour rejoindre Toulon, Port-Pin-Rolland exactement, à côté de Saint-Mandrier, pour opérer les réparations sur le bateau, sur le sail drive tribord, malheureusement, ce qui nous met tout notre programme en l'air. Mais bon, s'adapter ou mourir, c'est la vie en mer, il faut arriver à composer avec tout ça. Nous traversons alors dans l'autre sens pour rejoindre Toulon. Comme on a coutume de dire que le beau temps vient après la tempête, force est de constater que cet adage est souvent vrai. Et à 24 heures près, nous nous retrouvons dans des conditions extraordinaires de beau temps pour cette traversée. Heures en mer, ça passe vite. Et de quart en session de travail, puis en formation de matelotage, nous passons Porquerolles, dernière ligne droite vers Port-Pin-Rolland. La mise en place des parbattages et l'apprentissage des nœuds de cabestan, eh bien ça commence au plus jeune âge et Louise, du haut de ses 9 ans, commence déjà sa carrière de matelot de pont. Ouais, bah ça y est, après 17h, donc après 22h30 de traversée, ça y est, on est arrivé. Pas de blague, nous avons été suivis par radio et téléphone tout le long de la navigation. Et à peine arrivés, nous accueillons à bord un skipper professionnel pour mettre immédiatement le navire à quai sous un élévateur. Dès demain matin, on sort le bateau de l'eau. L'heure est grave, mais d'abord, une bonne nuit de sommeil à terre.
Finalement, c'est à bord d'un autre voilier que nous passerons cette unique nuit d'étape technique en dehors de notre catamaran. Les enfants apprécient et le chien en a profité pour fuguer. La mère n'est visiblement pas son élément et il a décidé de nous le faire comprendre. Le lendemain matin, ni une ni deux, les techniciens sont à bord pour effectuer un diagnostic et le bateau est sanglé puis mis hors d'eau. On ne perd pas de temps. La découverte est cinglante, il n'y a rien à sauver. Et il apparaît que la fuite de courant à l'origine du problème était croissante. Heureusement que c'est un bateau de location, puisque les réparations s'élèvent à un montant que nous sommes très heureux de ne pas avoir à débourser. Toute la journée, les équipes s'enchaînent et les travaux sont menés à une vitesse record pour limiter notre arrêt ici. Et le soir même, eh bien nous remettons le catamaran à l'eau. Bon! Eh bien, il semblerait que tout soit plutôt bien passé. Après une journée de chantier, donc le bateau a été levé. Ils l'ont, comme on a pu voir, désossé. Ils ont enlevé toute la partie sail drive tribord. Ils ont changé l'hélice. Ils ont tout fait tomber, ils ont tout changé. Donc on a identifié le problème, ça venait du convertisseur. Donc en fait, quand on branche, quand on arrive sur un bateau, on a plusieurs courants. On a un 12 volts qui alimente les lampes, qui alimente un peu tout le bord. Et sur ce 12 volts, il y a notamment ce qu'on appelle les convertisseurs. Donc ça permet de transformer le 12 en 220 volts pour alimenter des prises de courant, pour alimenter tout ce qui fonctionne en 220 volts sur le bateau. Et il y a un convertisseur principal qui permet aussi de recharger les batteries. Et c'est celui-là, le principal, le convertisseur principal qui posait le problème. Et on l'a chanté, donc il va être changé dans les prochains jours. Pour l'instant, on ne l'a pas encore à bord, il a été simplement défait. Normalement, on va le recevoir début de semaine prochaine, mais au moins, on est maintenant en état de naviguer. Donc ça a été reposé, le bateau a été remis à l'eau. Et maintenant, on est face à un petit dilemme, parce que prochaine étape, c'est 7, Montpellier. On va intervenir à l'EPF, l'école d'ingénieurs l'EPF. Coucou à tous si vous nous regardez. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut y aller, sachant qu'il y a un coup de vent qui va bientôt souffler en Méditerranée, qui pourrait nous mettre un peu en difficulté. Il faut mesurer le pour, le contre, la décision à prendre. Cette réflexion, au regard du coup de Mistral qui s'apprête à souffler dans les prochains jours devant Marseille, eh bien nous décidons de la passer ici, à Porpin, et à découvrir ce petit bout de presqu'île. Demain, c'est Halloween, alors pour ralentir un peu le rythme et permettre aux enfants de profiter d'un peu de temps libre, nous passerons quelques jours ici, à Porpin-Rolland et autour. Il faut aussi reconnaître que l'absence de ce convertisseur est un vrai problème pour nous. En effet, en l'état, nous ne pouvons plus travailler pour alimenter nos ordinateurs et nous ne pouvons plus respecter notre protocole scientifique à bord, puisque pour déshydrater les échantillons que nous récoltons, nous avons besoin de faire fonctionner le dessiccateur. Nous prendrons donc finalement la décision de patienter que cette pièce électronique essentielle soit posée pour reprendre la mer. Mais forcément, cela implique encore plus de retard et d'aménagement dans le programme d'expédition. Si malheureusement le temps ne sera pas très agréable avec deux jours de pluie et de vent intense, la zone de Saint-Mandrier compte de nombreux élevages de fruits de mer et de pêcheurs. Nous prenons donc notre mal en patience et transformons ce temps en expérience gourmande. L'occasion de découvrir et goûter les violets. Ayant pourtant mangé des fruits de mer toute ma vie, je n'avais jamais entendu parler de celui-ci avant de le découvrir sur un étal tout proche. Et pour cause, véritable spécialité méditerranéenne, le violet se mérite et reste un mets de connaisseurs.
ce qui se mange, c'est la partie jaune à l'intérieur. Tout le reste, c'est du muscle. Enfin, c'est du muscle, c'est du cartilage. Donc ce qui se mange, c'est l'intérieur. Soit avec un morceau de pain, soit avec votre doigt, vous venez comme ça à l'intérieur. Hop, et vous l'enlevez comme ça. Avec le dos ? Mm-hmm. Et on peut pas l'enlever avec la fourchette ? Ça a vraiment un goût ultra iodé. Les deux journées s'égrènent doucement et nous prenons le temps de savourer ces moments de calme tout en restant concentrés sur les rencontres à venir. Une tournée de collecte de bonbons avec les enfants dans les rues de Saint-Mandrier et la Seine-sur-Mer, c'est toujours plaisant de voir les commerçants jouer le jeu des petits-enfants et de voir à quel point cela peut les remplir de joie. Après avoir rassemblé un butin suffisant, nous rentrons au bateau et reprenons nos réflexions. Malheureusement, la tempête va durer encore 2 jours et le convertisseur en retard ne sera pas installé avant 3 jours. Nous décidons alors de changer exceptionnellement de monture pour rejoindre Montpellier. Dans la prochaine vidéo. Je me présente. C'est reparti. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas Océan. Elle est gratuite, disponible sur Android et iOS, et c'est le meilleur moyen de suivre l'aventure sans en rater une miette. Informations sur l'océan, agenda, position du bateau, carnet de voyage, vidéos exclusives, concours et surtout des notifications pertinentes pour être toujours tenu informé des actualités de Thalas et du monde marin. Vous êtes aujourd'hui plus de 2200 à avoir embarqué avec nous et c'est une immense fierté de vous savoir à nos côtés. Merci. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas vous aussi à partager la vidéo. Plus on est nombreux à découvrir toutes ces informations incroyables, eh bien plus on avance pour la préservation de l'océan et plus ensemble on fait grandir la famille de Thalas, toujours avec le même but, c'est créer et préserver notre avenir à tous.